de mon candidat. On doit ça. Ton candidat, c'est. Toi, tu ne réponds pas. La foule a répondu. Regarde un peu comment je vais demander à la foule. La foule, hein? La foule, hein? Votre candidat, c'est qui? Votre candidat, c'est qui? Mon ami, maintenant, je vais écouter comment toi tu vas dire. Si tu n'es pas avec nous, maman, papa, s'il te plaît, regarde la route est grande. Ma part est grande. Là-bas, tu as veillé. Ici, là, tu parles à Gautier, Bénévoi, Kingélé, Benvi, à quel abonnés qui peut te citer les mapanes comme ça. Mon frère, tu es ici pour qui? Mon candidat, c'est pour ça, on doit au sort, c'est mon président de la République. Il a changé le Gabon. Yaga. Maintenant, c'est toi qui vas donner le top pour l'hymne national. Et on va faire une notion de silence. S'il vous plaît, famille. Thank you.
Thank you.
avec eux. Les officiels sont arrivés vivants. Nous plaisons un peu de votre temps. Avec un qui doit nous révéler l'histoire de son couple. Le IRS, s'il vous plaît, de vérité, fait libérer la chambre et les officiels. Merci.
c'est pas les tabac tabac, ça c'est le vrai. Ça c'est le vrai, c'est pas les tabac, c'est pas les bricolés. Ça c'est le vrai. Il est inscrit là-haut là-bas. Voilà, c'est bon, la victoire cache. Le 26. Victoire cache le 26. Voilà, la victoire cache le 26. Victoire cache le 26 à l'eau. Le c'est pas n'importe qui, ça c'est le vrai. Professeur, c'est le vrai. J'appelle le voilà, c'est bon, victoire cache le 26. C'est pas les tabac tabac. Bonsoir. Les femmes, bonsoir.
ne vous entend pas. Les jeunes, il y a les jeunes retard. Les femmes, les femmes 25 sur 10. Les hommes ont gagné. Thank you.
Alors, je suis en direct. Non, je suis ici. Tu sais, mais tu viens de vraiment, on est content. Yo, 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 yo
On va être torturé par les policiers. Je veux un Gabon nouveau, c'est tout. Est-ce que vous entendez les gars? Pour un famille, regarde le Gabon debout. Oh le terrain, quel terrain? Regarde le terrain. Pour un famille, terrain. On s'est mis, c'est un matin. On s'est mis, voyons tout le Gabon. Voyons tout, les dames, personne ne va te chasser. Voyons, 2016, c'est pas 2023. 2016, c'est pas 2023. Le peuple est debout, le peuple est debout. Thank you.
moi, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas laisser un autre rentrer comme ça. Pour une seule raison, 1993, en passant par 98, 2005, 2009, les élections anticipées, 2016, le Gabonais n'a jamais eu de problème pour le vote de sanctions. Le seul problème que le Gabonais a toujours eu, c'est le hold-up électoral. Et ce hold-up électoral a toujours été facilité ou facilité par un certain nombre de la classe politique de l'opposition. Je précise en pesant mes mots, tout simplement parce que le pouvoir en place pipait d'avance les dés en fabriquant ses opposants pour divertir l'opinion. De manière à ce que quand le peuple aura sanctionné le parti au pouvoir, le parti au pouvoir fera le hold-up électoral et le candidat du pouvoir envoyé dans l'opposition pour empêcher l'opposition de revendiquer légitimement jusqu'à obtention de la récupération du droit de vote. Alors qu'est-ce que ces candidats de 93 à aujourd'hui faisaient? Tout simplement la politique de l'usure, c'est-à-dire après voter, après qu'on nous ait volé notre victoire, personne ne peut revendiquer. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat qui n'a pas misé sur la fortune, matérielle ou financière. Nous avons un candidat d'abord à sa juste mesure, avec un bagage intellectuel. À part le bagage intellectuel, il y a le bagage de la crédibilité. Hormis
le bagage de la crédibilité, il a aussi le bagage de la liberté. Ils ne tiennent pas des casseroles. Hormis cela, il n'a pas été imposé. Il n'a pas été choisi. Ce sont ces critères du peuple, non pipés par les chaînes invisibles, qui font de lui un candidat normal. Alors, les Gabonais voteront toujours l'opposition. Mais cette fois-ci, le problème, ce n'est pas le vote. Le problème, c'est après le vote, qui était l'homme capable de nous revendiquer le hold-up électoral selon les stratégies qui sont les leurs. Alors, tout le monde, à part les élections législatives, tous derrière le professeur président Albert Ondo Ossa. Le reste, vous entendrez. Il y a une stratégie. Thank you.
Les à la famille Gabon Actu pour votre fidélité. Restons toujours connectés, les candidats sont en train d'arriver. Ils ont les membres de la plateforme Alternance 2023 ainsi que le candidat consensuel. Continuons de garder un peu de patience. Thank you.
Et on souhaite les Gabonais. Les Gabonais qui ne votent pas. Que les maudits. On ne vote pas les députés. Même si c'est ton père qui est le candidat, ne vote pas. On va avancer pas encore. Tout le monde. Ouais. Peu importe le parti, on ne vote pas les députés. Même si tu es indépendant, on ne vote pas les députés. Thank you.
Monsieur, allez derrière, s'il vous plaît. Les garçons, t'en recules, hein. Les gars, la limite est ici. Les gars, tirez déjà par ici. S'il vous plaît. Mais les gars, c'est pas cool là. Laissez la visibilité à tout le monde.
sécurité par ici, s'il vous plaît. DJ.
le centre de la scène, s'il vous plaît. Sécurité, sécurité. Libérez le centre, s'il vous plaît. Libérez le centre. Libérez le centre. Libérez le centre. Libérez le centre. Libérez s'il vous plaît la presse, libérez le président. La presse s'il vous plaît. Qui met au fond le lecture. Libérez les officiels. Président! 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 Président!
D'abord, si ça passe. Oh, my God.
Merci à Arnaud et Yaga. Merci, merci, DJ. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer les choses sérieuses. Nous voudrions d'abord que tous ceux qui sont au centre s'écartent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les officiels. Comme vous le savez, nous sommes en République. Et pour commencer notre cérémonie de cet après-midi, je vais, s'il vous plaît, vous lever. Mais qui en est votre vous lever pour écouter l'hymne national de notre pays. Thank you.